Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous partons maintenant au Cambodge pour le national cambodgien. Ça va être une aventure exceptionnelle, je vais vous emmener avec moi. On va partir pendant 3-4 jours, ça va vraiment être intense. Encore merci d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne, on est plusieurs milliers. Pensez à liker, à vous abonner, à partager et c'est parti pour ce merveilleux voyage. Dans l'aéroport de Singapour, donc j'ai dû prendre une chambre parce que le transit c'est vraiment une connerie pas possible. 15 heures d'attente parce qu'il n'y a pas d'avion, c'est le Covid, c'est la galère, c'est vraiment abusé. Une heure et demie pour venir à Singapour, une heure et demie pour aller au Cambodge, et me voici 15 heures de transit. Bref, là j'ai trouvé une chambre très très sympa. Je vais passer 11 heures dans la chambre, donc la nuit, relaxé, tranquille. Petit déjeuner dans l'aéroport de Singapour. Mon vol est dans quelques minutes pour le Cambodge. Mais avant ça, aïe. Il n'y a pas la foule pour aller au Cambodge. Hein. Maintenant, le cutting. 93,6 à l'arrivée à l'hôtel. Il va me falloir une heure. Donc là, je viens de faire le premier set dans la sauna. Je suis passé de 93,5 à 92. Donc en 30 minutes. Donc il faut que je fasse encore, je pense, 2 fois 30 minutes. Là, j'ai fait une petite pause de 5-10 minutes et j'y retourne. Je souhaite à personne de faire un cutting, même à 1h30. Premier set, 1h30. Non, premier set, 30 minutes, autour d'1,5 kg. Deuxième set, 20 minutes. Et là, je ne pouvais plus. Je peux plus, t'as tout qui sort, la sueur, les larmes, t'as tout, tu peux plus. Je fais la diète chez moi, mais dès que j'arrête de m'entraîner, c'est mort. Je reprends 3-4 kilos en 24 heures, en 36 heures. T00, I lost 3.6 kilos in 1 hour 45, 2 hours. I'm dry. Now I go to the waiting. See you for the next step. Impossible de trouver un resto parce que, en fait, j'ai pas fait de change. Je pensais que je pouvais le faire ici dans la ville. Et là, il n'y a personne qui veut me changer. J'ai qu'un billet de 20$. Les trucs de ATM, ça ne marche pas. Donc là, je me retrouve un peu coincé. Et résultat, je me retrouve à manger des soupes instantanées pour me remettre de toutes ces émotions de la journée. Et c'est un peu la galère. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Et à l'hôtel, ils ne comprennent rien. Ils ne peuvent pas me changer de la thune. Et là, tout est fermé. Et en fait, la ville, c'est vraiment la misère. Putain, la dernière fois quand j'étais venu, c'était bien. C'était sympa, mais là, cette fois-ci, c'est la misère totale. Il y a des gamins à poil dans les rues, là, en train de sniffer le plastique. Et il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais vous montrer un peu, mais c'est désert, ça fait peur.